Eh bien, salut à tous, c'est Marof et bienvenue pour un nouvel épisode de Borderlands. Alors, je vais faire ce que je peux pour jouer aujourd'hui. Je vous explique, j'ai une entorse du poignet que je me suis faite au travail. Donc, j'ai la main dans une attelle. Bon, alors, ça m'empêche pas d'utiliser ma main, mais effectivement, ça me complique largement la tâche. Et je me rends compte que c'est un petit peu compliqué d'utiliser la manette quoi qu'il en soit. Faut m'appeler donc, si vous avez besoin de moi. La douleur c'est ok, mais tant que mon poignet tient dans la telle, au final ça va. Donc voilà, donc on va essayer de faire y a rien d'autre. Et aujourd'hui on va faire principalement des missions annexes. Voilà, faut que je me recentre un petit peu. Je fais vite fait le tour de la zone pour voir ce qu'il y a récupéré comme d'habitude. Voilà, un peu de mule, très bien. Et maintenant, on va aller. Alors, le plus dur pour moi, là, c'est d'appuyer sur le joystick pour déclencher la course. Ça, c'est pas très très simple. Alors, voyons les objectifs. Je crois que c'est beaucoup d'optionnel. Alors, retrouver Bruce McLean, qui est un jeune enfant. Eh bien, on va faire ça en premier. Est-ce que quelqu'un veut bien m'aider? Je n'ai plus de nouvelles de mon fiancé depuis des semaines. Il s'appelle Bruce McLean et il vit dans une cabane près de la Zephyr Substation. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit qu'on allait devenir riche et qu'il allait nous payer des billets pour quitter cette planète. Je ne sais pas dans quoi il s'est laissé entraîner, mais ça n'a pas dû marcher. Je vous en supplie, retrouvez mon fiancé. Ok, alors ça se trouve à quel endroit de la carte? Est-ce qu'on est loin? C'est... ouais, quand même. De toute façon, on va prendre un véhicule, évidemment, hein, et on va se rendre là-bas. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, ça commence fort. Laissez-moi le temps d'arriver, les gars, quand même. Alors, on va descendre de toute façon. Je pense qu'on sera plus efficace avec notre arme personnelle. Ouais. Parce que le véhicule est sympa, hein, mais à un moment donné, lui, il évolue pas, au niveau des dégâts. Donc, il devient de moins en moins intéressant. Alors, peut-être qu'en changeant de zone, on en trouvera d'autres. Allez savoir. Donc, c'est par ici qu'il faut aller, d'accord? Ok. Alors, est-ce que c'est le début d'une longue quête ou est-ce que ça, on va trouver tout simplement le personnage en question? Ouais, j'en étais. Voilà. Compliqué d'appuyer sur le bouton pour viser également le self, c'est la gâchette gauche. Ok, ça c'est pour le valider. On va regarder niveau sup, cool. On va pouvoir augmenter nos compétences d'une manière ou d'une autre. Voyons l'objectif. Ce pauvre Bruce McLean est mort, comme le redoutait sa fiancée. Vous avez trouvé son journal manuscrit sur son cadavre. Il vous en apprendra un peu plus sur sa fin. Aha ! Dans son journal, Bruce raconte une de ses arnaques. Il cueillait des feuilles de plantes locales, puis il les roulait en cigares et il les vendait aux bandits en les faisant passer pour de la première qualité importée. Avec l'argent gagné, il comptait épouser sa fiancée et l'emmener loin de Pandore. Apparemment, son premier client est mort d'une hémorragie interne instantanée et pour se venger, les bandits ont obligé Bruce à fumer sa camelote. Vous feriez bien de récupérer tous ces cigares avant que des gosses s'amusent à en allumer à l'abri des regards. Le journal dit que Bruce démarchait surtout autour de Titan Head. Titan's Head, pardon. Eh ben écoutez, on va aller faire ça, tiens. Allez, on part à la recherche de nos cigares. On récupère la voiture. Tac, place conducteur. Allez, c'est parti. Alors, c'est par ici apparemment. Ah oui, d'accord, ça doit être ici là-haut. Allez, on prend le pompe, tiens. Ah, le point de compétence aussi. Voilà, tiens, le bouclier rechargé en tuant l'ennemi. Oui, on n'est pas obligé de se fader les ennemis là, donc... Ah, écoutez, quoi que, est-ce qu'il y a moyen de se faire plaisir un petit peu, là? Bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire, donc on va pas chercher les embrouilles. Il y a personne qui traîne là, très bien. Oh, il y a un truc là-bas aussi. Ah! C'est à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien qu'à moi. Qui m'a vu? Ouh,
bah dis donc. Ça a l'air d'être assez costaud. Mine de rien. Ah non, pas tant que ça. Il est où celui qui me tire des trucs là? Je le vois pas. Il doit être par là. Alors, je vois les trucs arriver, mais je vois pas d'où. Alors, en face. Hein. Ah, je sais pas. J'arrive pas à le déterminer. Ah, par là peut-être. Ah, attendez. Par ici. Là. Voyons. Ah, tiens. Allez, mon chat. Ah, bah si, ça a fonctionné. Il y a aussi deux loustiques par là. Bon, écoutez, ils ont pas l'air très actifs pour l'instant. On récupère ça. On récupère la boîte de cigares. L'argent. Voilà. Et on continue. Ah, bah ça, ils sont. D'accord. On va garder la voiture quand même. Le véhicule, parce que ce sera toujours plus simple pour rentrer. Validé, je pense, à Firestone. Allez. Alors, pour y aller. Ah, il faut rentrer sur le camp là. D'accord. Donc, bah non, non, non. On va reprendre par ici. Je vais essayer de descendre directement de. De là-haut plutôt que de traverser le camp et de nous coltiner avec les mecs. Aïe aïe aïe. Ah bon, on peut descendre là, très bien. On tente. Ouais, si en collant la paroi ça devrait être bon. Voilà, clac. Voilà, ils arrivent avec. Voilà, j'allais dire, ils arrivent avec. Avec. C'était des petits, je les voyais arriver avec leur fusil à pompe habituel, mais non. Allez, meurs. Bah, très bien. Voilà, très bien, très bien. Ah, bah, un de plus. Parfait. Allez. Par contre, on va devoir refaire tout le tour, ouais. J'ai l'impression. On doit pas avoir d'accès possible. Non. Non, 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 et là non plus. Bon, bah tant pis. Allez, qu'est-ce qu'on nous propose là? Très bien. Hop. C'est tout, les gars? D'accord. Là. Là, et là, on a quoi? Ah, ben. Ah, on a deux boîtes de cigares à récupérer, alors. Très bien. Ok, bah ça, c'est good. On n'a plus qu'à, voilà, comme je m'en doutais, nous présenter au rapport. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir probablement se fighter un petit peu. On va essayer de passer discret, mais à mon avis. Ah, bah écoutez, c'est passé. Tac. Voilà. Et donc, on retourne. Eh bien, Firestone, je dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour valider. Donc, retour de produit. Bruce est mort, imbécile. On se serait débrouillé pour se faire une belle vie ici. Et lui, il a tout gâché avec son arnaque minable. Et puis zut, les hommes, c'est pas ce qui manque par ici. Je m'en remettrai. Heureusement que vous avez récupéré toutes ces horribles cigares. Tous ces horribles, pardon, cigares. Hop, de l'XP, de prix, eh ben, écoutez, tant mieux. Ensuite, eh ben, on va aller voir les autres objectifs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Déjà, se débarrasser de nos... des armes qu'on a trouvées. On va pas voilà, je vais pas changer de secteur tout de suite. On va plutôt rester sur le Arid Badlands et on va faire enlever des crânes humains des pics de Titan's End. Ouais, tu vas faire ça, allez hop. Allez, c'est parti, on part à la recherche des crânes, 10 en tout, en espérant qu'ils sont pas trop éloignés les uns des autres. Donc le premier se trouve ah oui, donc assez loin quand même. Ah là là, ils vont nous enquiquiner à chaque fois. Alors c'est sympa au début, hein. ça, en plus ça permet de faire de l'XP, donc on peut pas se plaindre de ça. Mais c'est vrai que ça devient récus, c'est un petit peu casse-pied au bout du
compte. Voilà. Bon, c'est un peu chaotique cette arrivée. Allez, on va aller voir nos copains. Il y en a où un? Là peut-être, là-haut? Est-ce que t'es... Ouais, il y en a un là. Enfoiré. Il nous balance une grue. Ah bah attends, je peux peut-être en balancer une aussi, moi. Tiens. Ah non, loupé. Voilà. Oh, il nous laisse un beau fusil, a priori. Tant mieux, on va aller chercher ça. Il est là. Sinon, t'es où? Ah, t'es là. Voilà. On va aller voir s'il y a quelque chose en sac à huit là-haut. Ok, bah tiens, ça va nous permettre aussi de faire un peu le ménage sur la zone. Mais dis donc, s'il y a du monde. Fini ou pas? Non, non, ils sont toujours là tous les deux, d'accord. Alors, comme ils se rapprochent, les mecs. Voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, parfait. Et nous file un flingue, c'est cool. Ensuite, on en a deux par là. Mais le crâne, il est par ici. Ah ben, juste à l'entrée, d'accord. Ah, je pense que c'est... on va tous les avoir sur la même zone. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, ça va être assez simple, je pense. On va se faire les mecs au fur et à mesure. Con, on approche. Il devrait t'enfuir. Ah, ah, wow, wow. On va se mettre derrière. Voilà. Voilà. Le câble. Il est où l'autre? Il y en a un qui est en face de nous. Ah là. Très bien. Crâne suivant. Ah bah tiens, regarde, moi aussi j'en ai un. C'est vraiment excellent. Ouais, c'est vrai. Alors, tiens, on va aller voir en bas. Ah bah déjà, il y en a ici, effectivement. Clac. Ensuite, là, les armes. Il faut un peu de chance pour réussir. Ouais, cool. Avec un peu de chance, justement, on aura quelque chose de mieux qu'avant. Bah, j'ai peur, non, mais j'ai pas envie non plus de me faire flinguer gratuitement. Hein. Voilà. Oh, un mode greu encore. Oui, oui, j'arrive, mon père, j'arrive, justement. T'es où? Il y en a un là-bas. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Ah bah, il est où? Ensuite, il y en a un là-bas, d'accord. Approche, allez, approche. Voilà. Tac, il nous laisse une grosse, c'est cool. Ensuite, là, clac, voilà. Suivant, en face de nous. Voilà. Et l'autre est où? Ah, encore un là, d'accord. Bon, est-ce qu'on soit? Allez, on va le chercher lui, juste parce que il a osé nous tirer dessus. Tu vas queener. Voilà. C'est juste pour te rappeler qu'il faut pas le faire. Oh, très bon ça. Je crois que j'avais jamais essayé, c'est cool. Alors, il nous en reste encore 3. Donc, avec celle-là, plus que 2. Tac, un en face. À 40 mètres. D'accord. Et là, il est où? Il est là-haut, d'accord.
Bah, de toute façon, je crois qu'on s'est fait à peu près tout le monde. Hein. On devrait être tranquille pour finir la zone. Parfait. Clac. Ah bah oui, fini. Ok, bah écoutez, on retourne à la voiture. Et ensuite, on reprend la direction de Firestorm pour valider l'objectif. Allez. Vous avez retiré ces crânes dont les bandits avaient fait des trophées. Bien, la dernière équipe que j'avais recrutée avait démissionné aussitôt arrivée. Je préfère que la prochaine ignore le danger et accepte de travailler. On me donne quoi? Une arme, d'accord, c'est cool. Allez, je me débarrasse de ce que j'ai trouvé et on va peut-être attaquer le... Voilà, on va pouvoir attaquer le l'autre objectif secondaire. Nickel. Alors, nouveau fusil à pompe. Donc il fait plus de dégâts et il fait des dégâts électriques. C'est pour ça que j'ai choisi. Je me dis que il sera plus intéressant. Vous rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je crois, on avait trouvé une arme plus puissante, mais finalement, moins intéressante. Ah ouais. Oui, oui, je dis oui. Je dis oui tout de suite. Ok. Allez, nouvel objectif secondaire que l'on va faire aujourd'hui. Ce sera, je pense d'ailleurs, le dernier. Hein, c'est... Non, là on nous propose quoi, l'arène? Non, ce sera pas pour aujourd'hui. Donc on va, finalement, on va aller là. Alors on ne s'improvise pas saboteur. On va placer les amorces dans la Headstone Mine. Rappelez-vous, on a vu pas mal de soucis dans cet endroit. Et bien écoutez, ça va être l'occasion de prendre notre revanche. Allez, c'est parti. Ah non, je confonds avec l'endroit où on avait récupéré, vous savez, les cristaux. Donc ok, Eastern Mine, c'est là où nous sommes allés la dernière fois. Donc voilà, bon, ça devrait pas poser trop de problèmes. On va essayer de pas trop s'attarder sur les ennemis, du coup. Et on va essayer de faire au mieux, le plus rapidement possible, cet objectif. Allez, let's go. Voilà, ça commence très fort. Le mec, je l'ai loupé. Ah, donc deux coups aussi pour celle-là. Ah, c'est pas aussi évident, aussi efficace que je pensais. D'accord. Bah moi aussi, regarde. Voilà. On va plutôt utiliser celle-là pour l'instant, du coup. Hyper efficace. Non les gars, pas de greux, c'est pas la peine. Ah, ce serait bien lui. Tu nous échapperas pas. Voilà. Ah oui. Ok. Aïe aïe aïe! Voilà! T'aurais pas dû venir ici, tu vas le payer très cher! Il est où? Ah, il y en a là-haut, je crois! Je crois me rappeler, ah bah déjà il y a lui! Voilà! Et donc, un qui doit être par là-haut, je crois! Il est où? Il est là! Bah oui! Attends. Voilà. Oula, oula, oula. Je suis vraiment excellent. Sinon, lui, il est où? Voilà. Bon, après, c'est un petit peu de la durée de vie rallongée, hein, on va pas se mentir. Hein. Parce que les mecs ils prennent les mêmes lieux, ils collent une mission secondaire et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est un petit peu moyen. Mais en même temps c'est aussi un moyen de faire du... De l'XP hein, tout simplement. Voilà. Ils vont arriver par ou par là les gars. Sûrement, non? Oui, c'est ça. Oh
Oh, j'ai pas été très prudent sur ce coup-là, effectivement. Voilà. Alors, on va rester un petit peu à l'abri. Oh, c'est quoi? C'est notre pouvoir qui a fait ça? Ou on nous a envoyé une grenade, peut-être? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il y en a un qui est bien excité, hein. Je pense qu'on va pas tarder à l'avoir dans les pattes. Ah, oui, il était au-dessus de nous, lui. Je serais pas étonné, ouais, qu'il soit au-dessus de nous. Sinon... Allez, bah écoutez, on continue. Allez. Alors. On va plutôt passer par là. Ah, puis il y en a un là. Ok. On explose. Il y en a encore. Il y a encore du monde. Voilà. Est-ce qu'on peut descendre d'une manière ou d'une autre? Ah si, peut-être par là, à gauche. Tac. Est-ce que pas... Oui, c'est ça, je pense. Non? Oui, c'est ça. Alors. Écoutez, on va descendre. Clac. On descend. Oula! Je m'attendais pas. Ah! Tomber sur autant de monde. Oh, attends. Toi, j'ai ce qu'il faut. Déjà ça. Et pour couper ça, en plus. Bah, j'arrive. Je suis à toi, mon père. Voilà. On va récupérer. Oula! J'ai entendu une porte s'ouvrir. Ça annonce rien de bon. Tac. Voilà. Si on va pas rester comme on a fait précédemment en statique, hein. On va bouger, on va évoluer sur la zone. Autrement, on va y passer trop de temps sinon. Par contre, évidemment, on en profite encore, hein, pour récupérer tout ce qui est possible de récupérer. Allez, on continue. On va aller jusqu'au pylône. Mais voilà, j'ai pas oublié qu'on avait notre mitrailleur là-haut, hein. Donc, on va se le faire parce qu'autrement, on ne pourra pas approcher la zone. Hop. On va le prendre. Ah zut. Voilà. Hop. Et ce coup-ci, on va essayer quand même d'utiliser. Voilà ça. On va se faire plaisir un petit peu quand même. C'est bon? Il en reste un par là, je crois, là-bas. Ok, je crois qu'on est tout le monde, a priori. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, on va redescendre sur la zone, du coup. Non, 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 mais non, arrête. J'ai voulu recharger au même moment. Allez, viens voir ton vrai père. Ah, il en reste un. Tiki Dele. Il est... Ah, lui. Lui, il était bugué. Il avait les pieds coincés, d'accord. Encore un. Oh là là. Il est là. Bah tiens, on va les récupérer ce qu'ils nous laissent, les mecs. On va en profiter. Ah bah lui... Pareil. Ah, il y en a encore, mais... Ah ouais, ils sont nombreux quand même, hein. Alors, c'est pas trop mal, hein, mais je regrette presque d'avoir vendu mon autre fusil quand même, hein, celui qui proposait, qui permettait de brûler les ennemis. Je trouve qu'il était, qu'il était plus efficace. Alors, c'est peut-être une idée que je me fais, hein, mais. Je pense que dans ce jeu, le feu fait plus facilement de dégâts, plus efficace en tout cas. Hop là. Allez, on pose le détonateur ici. Clac. Ensuite, enfin l'amorce, pardon, pas le détonateur. On a une autre à mettre ici, d'accord. Ensuite. Ah oui, d'accord, tout est sur la même zone. Ça, c'est bien. Et maintenant, on va par là-haut.
D'accord, donc... Ah non, ils vont quand même pas nous faire faire tout le tour. Ah si, là-haut, d'accord. Ouais, donc il faut juste qu'on monte par là. Et on devrait être tranquille. Ici. Clac. On l'explore. Tiens, il y a personne, bizarre. C'était trop beau. Tiens, viens par là. Il est où, lui? Alors lui. Déjà ça. Deuxième. Et hop. Je perds mon sang. Ah ben j'espère. C'est un peu le but, hein. Voilà. Par contre, son flingue, il avait l'air assez fun. C'est quoi? Ouais, non, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. On va vérifier par rapport à celui-là. Non, mais non. Ok, allez. Voyons voir. Oui, là, un peu de mun, un peu d'argent, c'est cool. Et on va... Je vais vérifier quand même. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Et on va tout détruire, voilà. Tac. Excellent. Et voilà, fini. Fini la base de ce monsieur qui nous a tant fait de soucis précédemment. Allez, on descend là, clac. On saute, on va sortir, on va passer au travers du bâtiment. Est-ce qu'il est toujours là, le clown, sur la gauche? On va voir ça. Ah non, ils l'ont pas fait réapparaître ici, d'accord. Eh ben écoutez, on quitte la zone. Et puis on a toujours... Qu'est-ce que c'est? Ah non, j'ai cru que c'était un... Ah si, on dirait que ce serait bien un... les bouts d'un mec qui était éparpillé, bah là aussi. Ok, voilà. Allez, direction Firestone. Allez, vous avez pu le constater, je l'ai prise en rose. Elle est sympa, moi je trouve, en rose, hein, là. Excusez-moi pour la voix, je suis monté très haut, là. Elle est sympa. Mais je suis encore enroué, je sors à peine de ma crève, comme vous le savez. Et ouais, je la trouve cool en rose, elle est sympa. Donc, bah écoutez, on se retrouve à Firestone, à tout de suite. Allez, voilà. De nouvelles primes sont proposées. Super boulot. Sans ces rentrées d'argent, ces salauds de bandits ne pourront plus se payer d'armes. Ça devrait les obliger à me lâcher un peu et à ne plus trop s'approcher de Firestone. Et on récupère quoi? Un mode grenade pas intéressant, qu'on ne peut pas prendre parce qu'on est plein. Et de l'expérience, cool. Oh tiens, oh mais t'es fou de me dire... Hey. C'est chez moi ici, petit gars, ok? Qu'est-ce que tu as enquiquiné là? Allez, bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, hein, quand même. On va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas, likez. Merci d'avance. Partagez. Faites connaître la chaîne. Et n'hésitez pas à faire vos retours si vous le souhaitez. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.